Madame, Monsieur, bonsoir. Merci d'être sur Télé Africa dans le cadre de votre émission des idées et des actes, émission consacrée à cette actualité relative à l'élection présidentielle qui aura lieu dans une semaine. Ce sera le samedi 27 août prochain, jour de vote. Vous avez encore en tant que citoyen le temps d'aller dans les différents centres de vote disséminés à travers le territoire, retirer votre carte d'électeur. C'est votre sésame qui vous permettra de pouvoir choisir le candidat que vous souhaiterez voir à la tête du pays pour les 7 prochaines années. La campagne, elle, sur le terrain se poursuit. Les candidats en lice sont en train de sillonner le Gabon et même le Gabon profond, à l'exemple du candidat de la majorité républicaine et sociale pour l'émergence, Ali Bongo Ondimba, qui continue d'aller au contact de ses populations avec une nouvelle offre politique. Le chef de l'État sortant qui avait tissé un pacte avec le peuple gabonais en 2009 et avait tout de suite sa prestation de serment le 16 octobre de la même année enclenché un processus de diversification de l'économie nationale qui avait donc pour objectif une meilleure redistribution de la richesse. Et pour parler de ce pont lié à la redistribution de la richesse, notamment sur le volet social, je reçois ce soir dans cette émission des idées et des actes le professeur Mboussou, qui est le directeur général de la Caisse nationale d'assurance maladie et de garantie sociale, pour que l'on parle dans le menu détail de la CNAMGS comme étant le moteur, sinon le fer de lance de la politique sociale, impulsée durant ce septennat par Ali Bongo Ondimba. Professeur Mboussou, bonsoir. Merci d'avoir accepté l'invitation de Téléafrica pour que nous débattions donc de ces réformes enclenchées par le président de la République dans le social, notamment ce qui concerne l'assurance maladie universelle. Vous êtes le directeur général de la CNAMGS. La première question que j'ai envie de vous poser avant que nous allions dans le vif du sujet, c'est y a-t-il eu des réformes sur le plan institutionnel par rapport à la CNAMGS durant ce septennat? Mais pendant ce septennat, il y a eu plusieurs évolutions. Vous vous souviendrez que lors du pacte social, nous avons eu, au-delà de ce que nous faisions autrefois, c'est-à-dire les allocations familiale pour les économiquement faibles, nous avons eu également la distribution des formes d'aide numéraire à des catégories de personnes fragiles, les veuves, les personnes handicapées et la scolarité des enfants orphelins et des enfants vivant dans l'extrême précarité, tout comme également la prise en charge du ticket modérateur lorsque nos compatriotes ne pouvaient pas. Donc, et récemment encore, sur le plan législatif, c'est la création du quatrième fonds qui certainement verra le jour dans les prochains mois. Alors, le président de la République sortant, le candidat Ali Bongo Ondimba, durant son septennat, a mis l'homme, l'amélioration des conditions d'existence du Gabonais au centre de sa politique et sur le plan social, la CNAMGS, l'assurance maladie a été une véritable de sauvetage pour les différentes couches de la société. Parle-nous un peu de ce processus, de sa mise en application. Lorsque j'ai pris mes fonctions, le 27 octobre 2009, la CNAMGS comptait environ 114 000 assurés, tous des économiquement faibles. En fin 2015, la CNAMGS comptait plus de 900 000 assurés et au 30 juin, d'un million d'assurés. Ça a été un processus progressif. Fin 2009, donc 114 000, quand j'arrive à la CNAMGS, nous avons lancé le 1er mars 2010 une nouvelle campagne d'immatriculation de masse sur l'ensemble du territoire. Parce que vous vous souviendrez que lorsque nos équipes allaient sur le terrain, on avait tendance à dire que c'était la propagande du Parti démocratique gabonais et les gens ne venaient pas se faire immatriculer. Alors, nous avons lancé cette campagne sur toute l'étendue du territoire à partir de Makoko. Et en fin 2010, nous avions déjà près de 300 000 Gabonais économiquement faibles. Le processus a été progressif. Nous avons voulu commencer l'assurance maladie par les populations fragiles pour montrer que le système était viable avant de nous attaquer au fond 2, c'est-à-dire celui des fonctionnaires à partir de 2012 et celui du secteur privé à partir de 2015. Ce qui nous a permis au fur et à mesure de corriger des erreurs lorsque cela se présentait. Et aujourd'hui, nous avons le bonheur de compter près d'un million d'assurés, les économiquement faibles, près de 500 000 et ensuite le secteur public et le secteur privé. Cela ne prend pas en compte la nouvelle campagne d'immatriculation qui affiche 230
230 000 compatriotes ayant droit et assurés principaux qui ne sont pas encore sur la plateforme parce que nous tenons à faire d'abord un audit du fichier actuel. Parce que nous avions eu beaucoup de compatriotes qui ont des revenus, qui se sont fait immatriculer. Et nous allons, dans les prochaines semaines, faire une vaste campagne de sensibilisation sur le terrain de manière à ôter de ce fichier les personnes qui ont des revenus, qui sont des travailleurs indépendants, les restaurateurs, leurs travailleurs, les salons de coiffure, les débits de boissons, etc., qui sont où il y a des compatriotes qui ont des revenus. Donc il faut qu'ils puissent contribuer. Pour cela, le quatrième fonds a été dédié aux travailleurs indépendants. Et ceux qui ont des entreprises reconnues, eh bien, il faut que ce soit des entreprises citoyennes qui cotisent pour la maladie de leurs adhérents. Donc ça vient gonfler le chiffre des économiquement faibles et nous allons, dans les prochaines semaines, mettre un peu plus d'ordre. Alors, dites-nous de façon plus pratique, pour la gouverne de nos téléspectateurs, comment ça se passe sur le plan pratique? Un patient économiquement faible va donc dans une pharmacie pour acheter des médicaments. Essayez de nous faire un peu le schéma entre ce qui se fait maintenant pour un économiquement faible qui est assuré avec NAMGS et ce qui se faisait avant quand cette assurance maladie universelle n'existait pas. Avant 2009, vous constaterez qu'au marché de Montbouette, il y avait ce qu'on appelait les pharmacies parterres. Et aujourd'hui, ces pharmacies parterres ont pratiquement disparu. Je vous dis juste le chiffre d'affaires d'une pharmacie. Aujourd'hui, la pharmacie des forestiers, au 31 décembre 2015, chiffre d'affaires plus de 3 milliards. Rien qu'une pharmacie. En 2009, 31 décembre 2009, la CNAMGES a dépensé 450 millions pour les soins de santé des économiquement faibles. Au 31 décembre 2015, rien que pour l'année 2015, c'est 35 milliards. Du 1er janvier 2016 au 30 juin 2016, c'est déjà 22 milliards et quelques. Nous terminerons cette année avec plus de 45 milliards de dépenses de frais de santé, 10 milliards de plus que 2015. Ce qui prouve bien que le processus est en expansion d'une façon exponentielle, d'ailleurs qui doit nous interpeller, parce que le fonds qui aujourd'hui a des limites, c'est le fonds des économies bien faites pour lesquelles le patronat et le gouvernement sont mis assis pour trouver des solutions pérennes pour que ce fonds de solidarité puisse poursuivre son action. Alors, autrefois pharmacie par terre, aujourd'hui nous avons le bonheur que les Gabonais se font mieux soigner si l'on tient compte des sommes que la CNAMGES dépense dans les pharmacies, des sommes que nous dépensons pour les formations sanitaires. Rien que l'année dernière encore, je disais 35 milliards en enlevant les 5 milliards des évacuations sanitaires, c'est 30 milliards qui ont été redistribués sur tout l'étendue du territoire. Rien que le CHUL de Libreville, c'est plus de 2 milliards. Ce qui n'existait pas autrefois. Et pendant la même période, nous avons du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2015, nous avons évacué plus de 570 Gabonais économiquement faits pour plus de 5,5 milliards. Qu'est-ce qui se passait autrefois lorsqu'un compatriote économiquement faible avait un problème de santé qui nécessitait qu'il soit évacué parce que le pronostic vital était en jeu? Eh bien, ce compatriote faisait appel à la solidarité familiale. Et lorsque la famille ne pouvait pas, eh bien, ce compatriote décédait tout simplement. Aujourd'hui, ces Gabonais économiquement faibles sont évacués, ne déboursent pas un centime et leurs familles qui les accompagnent sont prises en charge par la CNAMGES, ce qui ne se faisait pas avant 2009 et qu'aucun pays au monde, surtout pas en Afrique, ne réalise. Je peux dire qu'en matière de solidarité, n'a jamais été aussi généreuse que depuis 2009. Alors, parlons justement de ces évacuations. Je crois que durant ce septennat, c'est près de 1500 évacuations qui ont été... Plus de 1550 malades évacués. Mais en se disant que nous avons pris en charge les fonctionnaires seulement depuis 2012 et le secteur privé seulement depuis juin 2015. Sinon, ce chiffre aurait été beaucoup plus important. Et sur cette question liée aux évacuations, on a parfois lu dans la presse certains articles qui pointaient un doigt accusé
accusateurs sur la CNAMGS en disant que votre structure passait des accords avec certains établissements sanitaires à l'étranger qui n'étaient pas des établissements de renom ou qui n'avaient pas de plateau technique de pointe. Que répondez-vous? Nous évacuons au Maroc, nous évacuons en Tunisie, nous évacuons en Turquie. Nous évacuons en France et nous évacuons en Afrique du Sud. Et d'abord, c'est une commission qui est indépendante, composée d'un médecin du secteur privé, un médecin du secteur public, un médecin militaire et deux médecins de la CNAMGS, ce qui veut dire que cette commission est indépendante. Lorsqu'elle décide que le malade doit être évacué, moi, je suis directeur général, je suis censé ne pas être médecin, le malade est évacué. Je ne suis qu'un... J'appose juste ma signature pour dégager les fonds. Chaque fois qu'un malade décède à l'étranger, nous faisons tout pour savoir pourquoi ce patient est décédé. Mais il ne faut pas non plus qu'on pense que lorsqu'un malade est évacué, forcément le malade doit venir vivant. Nous faisons tout. Mais parfois, certains cas nous arrivent avec beaucoup de retard, le pronostic vital étant déjà engagé. Et quand on force la main de la commission, elle peut évacuer, sachant bien que le cas est peut-être... Il va falloir peut-être un jour légiférer. Vous savez que dans certains pays européens, je prendrai l'exemple de la Grande-Bretagne, lorsque le pronostic vital est en dessous de 6 mois, on ne s'acharne plus sur le malade, on l'accompagne, ce qui n'est pas le cas chez nous. On continue toujours à s'acharner en disant on ne sait jamais. Eh bien, cet acharnement a un coût très élevé. Mais je peux vous assurer que les plateaux techniques ou les structures sanitaires vers lesquelles nous évacuons nos malades sont des structures de référence et des structures de qualité qui elles-mêmes sont reconnues par les pays vers lesquels nous évacuons nos patients. Alors, il y a aujourd'hui une réalité dans notre pays, c'est que la majorité de la population vit dans les plus grands centres urbains, Libreville, Port-Gentil, bon, Libreville bien sûr, qui accueille plus du tiers, les trois quarts de la population nationale. Quid de ces populations qui sont restées en zone rurale, qui sont immatriculées, CNAMGS, économiquement faibles, comment elles font? Lorsque un patient à l'intérieur du pays, moi je prends l'exemple chez moi, Fougamou. Lorsqu'il vous avez un patient malade, il se rend au centre médical de Fougamou, il se fait soigner, on lui donne une feuille d'ordonnance CNAMGS, et il va dans les dépôts de pharmacie du coin et il se fait délivrer ses médicaments. Tout simplement. Mais c'est sûr qu'on ne peut pas dans un village de 100 habitants, 50 habitants, on n'a pas de structure certainement adaptée pour avoir un prescripteur. Mais toujours est-il que lorsque ces personnes se rapprochent des centres médicaux, puisqu'il y a des centres médicaux dans toutes les localités de l'intérieur du pays, dans toutes les petites municipalités, eh bien, ces patients sont pris en charge. Les factures de ces centres médicaux sont envoyées à la capitale provinciale et le délégué de la capitale provinciale rémunère le centre médical directement. Alors, parlons du volet lié aux médicaments. Tous vos immatriculés aujourd'hui, près d'un million donc de Gabonais qui sont immatriculés à la Caisse nationale d'assurance maladie et de garantie sociale ont donc cette possibilité de voir leur santé prise en charge par l'État. Alors, cette prise en charge au niveau du médicament, comment ça se passe de façon concrète? Et lorsque vous avez une ordonnance, vous vous présentez dans une pharmacie avec votre carte d'assurance et on vous délivre le médicament moyennant le ticket modérateur. Bon, il se trouve qu'il y a parfois des malentendus avec les médecins prescripteurs. Il faut avouer que les médecins prescripteurs aujourd'hui ont fait beaucoup d'efforts de prescrire des médicaments qui sont sur la liste. Nous avons sensibilisé les médecins en leur disant que ce n'est pas normal que vous puissiez prescrire des médicaments qui ne sont pas sur la liste. Nous avons revu notre liste en accord avec les spécialistes, en accord avec les médecins, pour que nous puissions tomber d'accord sur une liste consensuelle des médicaments. Nous avons pris en compte les désirs des médecins et aujourd'hui, en principe, le médecin doit prescrire des médicaments qui sont sur la liste et avertir le patient au cas où le médicament ne serait pas sur la liste pour que le patient n'ait pas le désagrément en allant à la pharmacie en disant « ce produit n'est pas pris en charge ». Toujours est-il que la liste qui vient d'être fournie est une liste consensuelle. Alors, pour être un peu plus pointu sur cette question-là,
Quel type de maladie? Est-ce que toutes les maladies peuvent être prises en charge par la CNAMGF? Mais toutes les maladies sont prises en charge puisque lorsque nous n'arrivons pas à les soigner ici, nous les évacuons. Nous avons des malades cancéreux pour lesquels les produits ne sont pas listés parce que ce ne sont pas des produits que l'on trouve en pharmacie, c'est des produits hospitaliers. Et lorsque en congé, à un patient pour lequel, ma foi, il faut une molécule assez particulière, nous commandons la molécule et nous allons nous adresser à des pharmacies qui ont la possibilité de commander ces produits qui coûtent énormément cher et ces produits sont pris en charge par la CNAMGES à 100%. Alors, le président sortant, le candidat Libongo Ndimba, on l'a écouté récemment dans ses meetings. Il met en relief, bien sûr, les avancées réalisées par rapport à l'assurance maladie universelle tout en promettant aux populations qu'il y aurait d'autres médicaments qui seront dans cette liste consensuelle qui existe déjà. Je viens d'écouter le candidat Mouila qui souhaite que cette liste soit améliorée. Eh bien, tous les deux ans, les médecins se retrouvent, ou que nous considérons comme des experts, se retrouvent pour améliorer la liste et éventuellement retirer de cette liste des médicaments pour lesquels on estime que, sur le plan médical, ça ne vaut pas grand-chose. Nous en avons retiré. Ce sont les médecins qui ont retiré, ce n'est pas la CNAMGES. Les médecins, d'une manière consensuelle, ont retiré de cette liste des médicaments qu'ils n'estiment pas nécessaires. Ils ont rajouter des médicaments qu'ils estiment nécessaires parce que la médecine évolue, les nouvelles molécules sont découvertes. Et c'est à l'appréciation des médecins, ce n'est pas à l'appréciation de la CNAMGES. Alors, il semblerait aujourd'hui que dans certaines structures, dans certains laboratoires d'analyse, notamment les patients qui se présentent avec leurs documents CNAMGES, ceux qui ont sur les documents les tampons des médecins sans qu'il y ait la signature sont renvoyés parce qu'il y aurait eu comme une réforme à ce niveau-là, il faudrait qu'il y ait la signature du médecin, mais pas le tampon. Non. Il est bon que nous puissions savoir qui prescrit. Parce que les journaux sont là pour nous dire chaque fois qu'il y a des faux médecins. Nous avons exigé que le médecin y appose son numéro de reconnaissance au niveau de l'ordre des médecins. Mais qu'à cela ne tienne, nous avons demandé, avec l'accord du ministère de la Santé, que cela prenne effet à partir du 1er janvier 2017. Pendant ce temps, nous demandons à tous les médecins qui exercent en territoire gabonais d'aller se faire connaître au niveau de l'ordre des médecins pour qu'on sache dans ce pays qui fait quoi et qui est exactement le médecin qui prescrit. Parce que forcément, lorsque nous avons des médecins qui prescrivent des quantités énormes de médicaments, nous devons traquer des médecins qui sont des hyper prescripteurs pour des quantités effarantes concernant certaines maladies. Lorsque nous les découvrons, nous allons vers les médecins pour essayer de comprendre pourquoi ils prescrivent tant de médicaments. Ça nous permet de lutter contre la fraude. Et si vous voyez bien dans la presse, il nous arrive de suspendre les cliniques pour fraude. Mais aussi lorsque le plateau technique, lorsque les conditions de prise en charge des patients n'est pas garantie. Et dans la même presse, vous voyez que nous réhabilitons ces structures lorsqu'elles ont répondu aux réformes que nous exigeons pour la sécurité des patients. Et si la CNAMGES n'était pas intéressante, rassurez-vous, ces formations ne viendraient pas nous revoir pour rapidement être réhabilitées. Jamais dans notre pays, les structures privées n'ont eu autant de possibilités d'élargir leur plateau technique. En 2009, lorsque j'arrive, il n'y avait aucune structure privée qui était affiliée. Toutes refusaient en se disant, on connaît les affaires du Gabon, l'assurance maladie ne tiendra jamais, Michel arrête. Il a fallu une réunion assez difficile en 2011 pour que mes confrères des structures privées acceptent d'adhérer à la CNAMGES en disant on ne sera jamais payé. Eh bien, je peux vous assurer que toutes les structures privées sont payées régulièrement. Toutes les pharmacies sont payées régulièrement. Et lorsque nous avons un problème de montant, nous nous assions autour d'une table pour savoir pourquoi il y a une différence entre la facture et ce que nous avons. Et cela nous arrive à nous entendre. Je peux rassurer les téléspectateurs que les cliniques privées sont prioritaires, les pharmacies sont prioritaires, les laboratoires sont prioritaires et les formations à but non lucratif, Bungalow et Chaser, sont prioritaires. Et si vous passez par Bungalow, qui est un hôpital géré par l'Alliance chrétienne, vous leur demanderez, ils sont restés au Gabon, ces Américains, grâce à la CNAMGES. Ils vous montreront les réalisations
qui ont été faites grâce aux recettes de la CNAMGES. Ils ont une nouvelle salle de radiologie, ils ont un nouveau bâtiment. Tout cela a été possible grâce aux recettes, engrangées par la CNAMGES. Vous allez à SOS Médecins voir le docteur Ndelia, vous vous rendez compte qu'aujourd'hui, la lithotripsie existe, mais s'il ose se développer, parce qu'il sait qu'en retour, il y a une assurance qui paye les soins. Sinon, il ne se développerait pas. Et aujourd'hui, nous avons un excellent partenariat avec les structures privées. Alors, vous veniez de parler de la traque contre les médecins véreux. Le candidat Libongo Ndimba en a parlé également dans ses meetings, en disant qu'il fallait effectivement mettre fin à ces pratiques d'un autre âge. Est-ce que la CNAMGS a aujourd'hui les outils et les moyens nécessaires pour traquer ces médecins véreux? Bien sûr. Nous sommes une entreprise citoyenne. Et je vous raconterai autre chose que la CNAMGS a pu faire pour notre pays. Nous avons près d'une trentaine de médecins qui travaillent avec nous. Une quarantaine, et où nous avons des médecins contrôleurs qui vont dans les structures de soins, qui prennent les feuilles de soins, qui les analysent. Lorsque nous constatons qu'il y a, tentative de fraude, eh bien, nous allons d'abord éduquer. Hein, notre rôle n'est pas de sévir, nous allons d'abord éduquer la clinique en disant, écoutez, faites attention, nous avons découvert que vos factures sont mal libellées, que vos factures sont exagérées, il va falloir corriger. Et chaque fois qu'un malade se plaint lorsqu'il va dans une structure privée, il se rend compte que sa facture est élevée, il vient nous voir. Nous repartons avec le patient dans les structures privées en disant, vous avez exagéré ce tarif, ce n'est pas normal. Donc, nous faisons tout pour réduire le coût de l'hospitalisation. Mais il faut aussi savoir que nos tarifs tiennent compte d'abord du service public. Lorsque vous allez à Paris, sachez que la consultation tarifée de l'assurance maladie est d'environ 25 €. Mais lorsque vous allez à l'hôpital américain et que la consultation coûte 150 €, eh bien vous n'êtes remboursé que sur la base de 25 €. Le reste, c'est vous-même qui payez. Et c'est la même chose lorsque vous décidez, vous, même les économiquement faibles chez nous, certains décident d'aller dans une clinique privée. Mais qu'ils sachent qu'en allant dans une clinique privée, le tarif n'est pas le même. Qu'ils acceptent donc de payer un peu plus. Par contre, s'ils vont dans les structures publiques qui sont en train de s'améliorer, ne serait-ce que dans l'espace de Libreville, eh bien, ils payent 20 %. Vous voyez, donc il faut que le patient accepte, prenne le risque en disant, quand je vais dans une structure privée, eh bien, je m'expose à une charge supplémentaire de dépenses de santé. Par contre, au niveau des pharmacies, eh bien, c'est la même chose. Parlons du volet lié à l'élargissement de l'assiette de cotisation. Il y a quelques mois, les partenaires sociaux avaient observé de mouvements de grève, notamment en estimant qu'ils n'avaient pas, été consultés, qui travaillent dans des structures privées, qui avaient déjà des assurances, qui n'avaient pas à être immatriculés par la CNAMGS. Comment tout ça s'est réglé aujourd'hui? Eh bien, d'abord, par rapport aux assurances privées, nous avons trouvé un mode de fonctionnement. Les assurances privées se considèrent aujourd'hui comme des mutuelles. C'est-à-dire, nous remboursons systématiquement aux assurances privées ce que nous aurions dû payer si le patient était passé par nous directement. Et ces assurances privées remboursent aux entreprises. C'est un processus qui est engagé et c'est un bon processus. Par contre, il y a une commission qui a été mise en place. Le gouvernement a accepté de reculer 1% de taux de cotisation. Nous avons fait venir des experts, les fiscalistes, les partenaires sociaux, et nous sommes arrivés à des conclusions qui ont été remises au gouvernement, à savoir que le taux de 2,5 pour le public et le taux de 2 pour le secteur privé. Bon. Ces taux sont réalistes? Ces taux sont réalistes et nous pensons qu'avec ces taux, nous pouvons tenir plusieurs années encore. Mais il faut se dire que la santé aujourd'hui a un coût exponentiel avec les nouvelles découvertes. Moi, je prends un exemple. Quand j'ai commencé mes études de médecine en 1972, il n'y avait pas de prothèses de genoux. Aujourd'hui, on fait des prothèses de genoux et c'est un coût élevé. Mais grâce à la CNAMGES, aujourd'hui, nous avons amélioré l'offre de soins en territoire gabonais. Vous savez, les évacuations sanitaires, c'est bon. Mais s'approprier l'expertise, c'est mieux. Alors, il y a des médecins gabonais qui sont assez courageux. Les médecins militaires sont venus me voir en disant, professeur, nous voulons faire la prothèse de hanche au Gabon. La CNAMGES a aidé à préfinancer et aujourd'hui, la prothèse totale de hanche se fait au Gabon, y compris des prothèses compliquées, sauf certaines qui sont délicates, que nous continuons à évacuer. Mais 80% de prothèses totales de hanche se font au Gabon.
D'autres médecins sont venus nous voir suite à l'expérience de l'hôpital militaire en disant nous aussi nous voulons bénéficier de l'appui de la CNAMGS. La CNAMGS a aidé à mettre en place la prothèse de genou à l'hôpital de Vendo. Aujourd'hui c'est une réalité. On fait les prothèses de genoux au Gabon grâce à des médecins gabonais qui acceptent de s'approprier certaines techniques. Et nous sommes là pour les soutenir. Donc il y a une expertise. Il y a une expertise locale désormais grâce à la CNAMGS qui s'est améliorée. Et qui permet donc à l'État de faire des bénéfices. Non, pas à l'État, à la CNAMGS d'éviter certaines évacuations sanitaires, surtout lorsque le pronostic vital n'est pas en jeu. Mais il y a le pronostic fonctionnel, le malade, le patient veut continuer à travailler, veut bien se sentir dans sa peau. Un genou douloureux, à l'époque c'était une canne avec de l'aspirine, les choses ont quand même évolué, ce qui nous permet aujourd'hui de faire des prothèses de genoux. Eh bien, nous les faisons maintenant au Gabon avec les nouveaux plateaux techniques qui ont été mis à disposition par le chef de l'État à travers les nouveaux CHU. Alors, il y a un autre constat qui est fait, ça peut paraître marginal, mais c'est quand même un constat qui est fait, souvent dans les pharmacies, dans les hôpitaux, ou dans les laboratoires même, lorsque les patients arrivent la paperasse, il y a des médecins qui rechignent, il y en a qui estiment qu'il y a trop de papiers à signer. Non, nous avons quand même, aujourd'hui, nous avons placé dans toutes les grandes formations du Gabon des agents de la CNAMGS qui remplissent cette paperasse. Et on remet au patient qui va directement voir le médecin. Ça facilite, le médecin ne fait que prescrire et signer. Vous voyez que nous avons contribué à améliorer cette prise en charge en prenant en compte nous-mêmes la paperasse. Vous allez au CHUL, nous avons deux comptoirs, vous allez au CHU de Vendo, vous allez à l'hôpital Missa Bongo, vous allez dans toutes les grandes structures à l'intérieur du pays, vous avez nos agents qui travaillent 24 heures sur 24. Peut-être sur le long terme, le processus de numérisation du traitement des dossiers Nous sommes en train de faire des essais, ne serait-ce que sur la distribution du médicament. Vous savez, il y a un gros problème au Gabon, c'est le médicament au niveau de l'hôpital. Alors nous sommes en train d'expérimenter avec les assurances privées, avec les cliniques privées, la dispensation du médicament sous forme de comprimés, de gélules, d'ampoules et non plus de paquets. Qu'est-ce qui se passe lorsqu'un malade de la CNAMGS va dans une structure publique? Le médecin fait une ordonnance. Ce n'est pas sûr qu'au moment où vous faites une ordonnance, vous ayez des moyens financiers. Et de deux, lorsque le médecin fait une ordonnance, eh bien, va dans une pharmacie, vous prenez 10 solutés, 4 boîtes de médicaments. Et parfois, tout cela est énorme et le patient a peut-être besoin juste du 10e, du quart ou du 5e des médicaments qui ont été prescrits. Aujourd'hui, nous sommes en train d'expérimenter avec les cliniques privées le coût de la gélule. Et ce que nous allons faire dans les prochains mois avec les hôpitaux, encore faut-il une réforme de nos grandes structures qu'ils puissent avoir au sein de cette structure des pharmacies, de manière à ce que lorsque le malade arrive à l'hôpital, il a besoin de 2 comprimés 2 fois par jour, comme ça se passe à Bongolo, comme ça se passe à Choiseul, qu'on ne délivre que 4 comprimés, s'il a besoin de 4 comprimés dans la journée, au lieu qu'on lui prescrive une boîte qui ne sera pas utilisée et qui va encombrer nos pharmacies dans nos maisons, et c'est de l'argent jeté par la fenêtre. Bongolo le fait, Choiseul le fait. Nous espérons que dans les semaines qui vont suivre, les choses vont s'améliorer. Tant qu'à la numérisation, effectivement, nous sommes en train de tester avec certaines structures le fait que le malade vienne directement. Et nous le faisons, nous sommes en train de le faire avec les assurances privées pour qu'il y ait le moins de paperasse possible. Alors, près d'un million, on a dit, de compatriotes gabonais qui sont donc assurés à la CNAMGS, qui bénéficient de l'assurance maladie, donc en termes de couverture. Et parlons aussi des allocations familiales. Où en sommes-nous Concernant d'abord le volet médical, je voudrais pouvoir assurer qu'aujourd'hui, le Gabonais est mieux soigné qu'avant 2009. Parce qu'il a un accès aux soins assez facilement. Cela lui évite d'aller voir les pharmacies, autrefois qu'on disait pharmacies par terre. Ils vont directement dans les grandes structures. Je vous parlais du chiffre d'affaires que nous faisons avec la pharmacie des forestiers. Je n'ose pas vous dire le chiffre d'affaires parce que la personne ne m'a pas donné l'autorisation de le dire avec Madame Itou, qui a une pharmacie en face du commissariat. Ce sont des pharmacies qui, aujourd'hui, ce sont des pharmacies citoyennes qui travaillent avec nous et pour lesquelles le chiffre d'affaires a été multiplié par 2, par 3, grâce à la CNAMGS. Donc c'est une réalité sociale de notre pays et j'affirme qu'il n'y a
Le Gabonais ne s'est jamais senti aussi protégé maintenant qu'autrefois. Alors, une réalité sociale qui bénéficie à toutes les parties qui sont sur la chaîne. Donc, nous avons commencé par les économiquement faibles. Et maintenant, nous avons pris le public, nous avons pris le privé. J'ai eu le privilège d'être le premier médecin conseil de la défunte CNGS, où nous avions essayé de prendre en charge les économiquement faibles, mais ça n'a pas duré 2 ans parce que c'était basé sur des subventions de l'État. Alors, chaque fois que l'État a des difficultés, elle pioche sur le social. Alors que là, nous avons un financement assez pérenne qui repose sur la ROAM, la redevance obligatoire de l'assurance maladie, sur la téléphonie mobile et sur les transferts rapides d'argent. Maintenant, passons aux allocations familiales. Par contre, nous avons un volet qui est garantie sociale sur les allocations familiales. Lorsque le chef de l'État prend ses fonctions, c'était 1 000 francs par mois et par enfant. Nous sommes passés à 2 500 francs par mois et par enfant. C'est monté à 4 000 francs par mois et par enfant, et c'est passé à 5 000 francs par mois et par enfant. Je crois que c'est une solidarité qui est présente sur le terrain et qui permet aux familles, et vous avez vu des reportages que nous avons fait à l'intérieur du pays, qui permet aux familles quand même de soulager un peu leurs difficultés. Mais ce sont des allocations qui sont régulièrement payées? Ce sont des allocations qui sont régulièrement payées et nous avons un retard concernant l'année 2016. La conjoncture peut-être économique fait en sorte, mais ce sont des allocations familiales qui sont régulièrement payées. Alors, aujourd'hui, on a... Et en dehors de ces allocations familiales, après le pacte social, nous avons pris en charge les veuves, nous avons pris en charge les personnes handicapées et nous avons pris en charge le ticket modérateur des personnes qui vivent dans une extrême précarité. Et encore récemment, nous venons de payer pour près de 180 millions de frais de scolarité pour les enfants orphelins. C'est quelque chose qui n'existait pas autrefois. Aujourd'hui, nous avons des enfants orphelins qui sont inscrits dans des établissements privés, même si nous souhaitons que ce soit dans des établissements publics. Mais nous avons fait cet effort pour que ces enfants bénéficient de cette égalité de chance. Étant orphelins, eh bien, la CNAMGES vient à leur secours pour permettre à ces enfants d'avoir une scolarité sereine dans des établissements privés au Gabon. Alors, l'assurance maladie, ça a donc été le moteur du volet social de la politique d'Ali Bongo Ondimba durant ce septennat qui s'achève. Et on fait également le constat que non seulement cette assurance maladie permet à 1 million de Gabonais de pouvoir être pris en charge sur le volet donc médical, mais également les allocations familiales. Et puis, votre structure aussi, aujourd'hui, est en train de mettre tout le cadre nécessaire, les outils qu'il faut pour les agents de votre structure et même décentralisés. Vous venez d'inaugurer l'agence de Makoku. Vous n'êtes pas un peu jaloux? Je veux dire, vous ne craignez pas que les populations d'autres contrées soient un peu jalouses du fait que vous ayez doté Makoku d'une agence aussi flambant neuve et avec un design? Nous sommes propriétaires à Mouila, oui. Nous sommes propriétaires à Oyem. Nous sommes propriétaires à Franceville, nous sommes propriétaires à Port-Gentil et maintenant nous sommes propriétaires à Libreville, maintenant nous sommes propriétaires à Makoku. Il nous reste Lambaréné, Kulamoto et Chibanga. Et je pense que nous allons nous atteler à faire en sorte que ces autres provinces, celui que nous sommes locataires, que nous puissions être propriétaires et mettre à disposition de nos agents d'excellentes conditions de travail. Mais aussi un autre volet pour lequel la CNAMGES s'est invitée, c'est cette entreprise citoyenne qui traque un peu la fraude un peu partout. Vous vous rappellerez de ce discours du chef de l'État en 2014, le 16 août, où il avait décidé que les allocations familiales des agents de l'État puissent être payées sur le fichier de la CNAM. À cette époque-là, je prends janvier 2015, c'est pour 220 000 enfants, plus de 220 000 enfants pour lesquels l'État payait des allocations familiales. Et lorsque ces allocations familiales ont été payées sur le fichier de la CNAMGES, c'est aujourd'hui près de 130 000 enfants. Ce qui veut dire qu'il y avait plus de 80 000 enfants fictifs. Et nous avions eu dans ce fichier, sur la grappe familiale, les Gabonais qui avaient 30 enfants. Et certains avaient 3 enfants avec la même femme la même année. Vous voyez donc, il y avait de la triche. Et grâce à la CNAMGES a fait faire des économies depuis février 2015 en juin 2016.
près de 19 milliards d'économies que nous avons fait faire à l'État parce que nous sommes une entreprise citoyenne, parce que nous mettons à la disposition de l'État tous nos fichiers qui sont des fichiers biométriques pour traquer la fraude. C'est ainsi également que sur le volet aide à la SEG, cela nous a permis de découvrir qu'hélas, il y avait des fonctionnaires véreux qui se faisaient prendre en charge leur électricité. Grâce à la CNAMGES, entreprise citoyenne, excusez-moi de vendre mon logo, nous avons permis à l'État là aussi de faire des économies substantielles sur le volet SEG. Alors, on a également fait le constat durant ces 7 ans que certaines personnalités venues de l'Afrique sont arrivées au Gabon, vous rencontrer, s'imprégner de l'expérience gabonaise dans le domaine de l'assurance maladie. Où en est-on aujourd'hui? Nous sommes le seul pays au sud du Sahara à avoir une assurance qui prend en charge ses économies moins faibles. Et nous avons commencé par ces économies moins faibles. Je dis bien le seul pays. Et tout justement, lorsque nous nous sommes lancés dans ce défi et que nous nous retrouvions en conférence internationale, ils étaient toujours en train de dire, mais vous allez vous casser la figure, c'est pas possible, mais comment avez-vous fait pour commencer par les économiquement faibles? Vous n'allez pas pouvoir. Et après 2 ans, 3 ans, effectivement, ils se sont rendus compte que l'assurance maladie était une réalité au Gabon. Ils sont venus voir notre expérience avec délégation à niveau ministériel. Nous avons été invités en Asie par l'OMS et la Banque mondiale. Parce que l'expérience gabonaise s'exporte aujourd'hui. Nous allons recevoir dans les prochaines semaines la Guinée équatoriale. Et tout le monde s'étonne de la viabilité de notre système d'assurance maladie. Parce qu'elle estime qu'elle est plus généreuse. Et les autres pays qui se lancent dans l'assurance maladie ne prennent que des travailleurs, ne prennent que des secteurs qui contribuent. Les fonctionnaires, le secteur privé. Mais n'osent pas se lancer dans la prise en charge de leur économiquement faibles, de leurs personnes fragiles, en se disant ça va flamber, ça va coûter. Alors qu'aujourd'hui, cette égalité de chance dans notre pays permet ce que l'économiquement faible ne va pas dans des endroits spécifiques, il va dans les mêmes endroits que les autres Gabonais qui sont dans des systèmes contributeurs. Il n'y a pas de pharmacie pour les pauvres et des pharmacies pour les riches. Il n'y a pas de clinique pour les pauvres, il n'y a pas de clinique pour les riches. Il y a des pharmacies, il y a des laboratoires, il y a des cliniques privées pour tous les Gabonais, quel que soit. Est-ce que ce principe d'égalité des chances ramené à l'assurance maladie tiendra? Je crois qu'aussi le gouvernement et le patronat s'est penché là-dessus pour pérenniser le fonds 3, c'est parce qu'elle estime que ça soulage beaucoup de compatriotes. Il y a encore 6 ans, lorsque nous avions un parent qui était malade, et aucun Gabonais ne pourra le démentir, les parents faisaient le tour des personnes qui pouvaient les aider en disant voilà, j'ai une ordonnance, il faut que tu m'aides, j'ai un parent qui doit être évacué, il faut que tu m'aides. Aujourd'hui, il n'y a presque plus cela. Les personnes se prennent en charge plus facilement parce que le ticket modérateur devient à la portée. Au lieu que vous donniez les 20 000 francs, vous ne donnez aujourd'hui que le ticket modérateur, et vous voyez très peu de parents qui fréquentent aujourd'hui les bureaux à la recherche de l'argent pour venir en aide à nos parents malades. Donc, je veux dire que l'assurance maladie est venue révolutionner totalement la prise en charge de nos compatriotes. Et si les autres pays viennent voir notre exemple, c'est que forcément, ça fait plaisir. Lorsque nous avons été invités au Maroc pour recevoir le prix de l'excellence concernant le volet prise en charge des malades économiquement faibles dans le volet financement, les gens, l'ISS, l'Association internationale de sécurité sociale, a félicité le Gabon d'avoir trouvé cet impôt affecté grâce à la téléphonie mobile, grâce au transfert d'argent pour venir en charge aux économiquement faibles. Parce que si c'était chaque fois les subventions de l'État, je pense que ce serait comme la CNGS, nous n'aurions pas pu tenir. Grâce à cet impôt affecté, aujourd'hui, nos compatriotes fragiles sont pris en charge, sont évacués gratuitement, sans un centime. Donc c'est un système, c'est un modèle que le Gabon devrait garder jalousement. C'est le seul, si les autres viennent prendre notre exemple, c'est que forcément, nous avons acquis quand même certaines lettres de noblesse. Sinon, pourquoi aller dans un pays? Pourquoi l'AFD s'intéresse à nous? Pourquoi l'OMS s'intéresse à nous si ce n'est pas un modèle qu'ils souhaitent voir exporter dans notre pays? Mais pour que cette assurance maladie soit plus efficace ou davantage efficace, bien sûr, il faudrait qu'il y ait des
structures hospitalières en nombre suffisant et dotées des plateaux techniques également suffisants. Comment vous réagissez lorsque vous êtes médecin, bien sûr, suffisamment connu sur la place et même au-delà du Gabon. Alors, comment vous réagissez lorsque vous voyez ces centres hospitaliers universitaires qui sont sortis de terre, le CHL transformé en CHU, Jeanne Bory, l'hôpital dédié pour la mère et l'enfant, il y a le CHU au niveau d'Ovendo et même à Gondje. Oui, c'est vrai qu'il est fait un reproche au président d'avoir mis l'accent sur les CHU. Alors, le CHU a une double vocation, soigner et former. Avant 2009, le Gabon était le dernier en matière de le CHU. Lorsque nous avions des confrères qui venaient de l'extérieur lors des thèses et qu'ils allaient voir nos formations sanitaires, même lors des concours d'agrégation, ils se disaient, c'est ça qui vous sert de CHU ? Aujourd'hui, nous avons rattrapé ce retard et nous pouvons dire que le Gabon a les meilleurs CHU de la sous-région. Rien qu'au niveau à Libreville, là où est implantée la faculté de médecine, nous avons le CHUL, nous avons le CHU de Vendo, nous avons Jeanne Bory, nous avons le CHU d'Akanda. Il y a la vocation soins, mais il y a la vocation formation. Donc nous qui sommes enseignants de la faculté de médecine, nous ne pouvons que remercier le président de nous avoir permis aujourd'hui de former des médecins dans d'excellentes conditions. Le médecin qui est formé au Gabon doit pouvoir s'exprimer de la même manière que le médecin est formé à Paris. Lorsqu'on lui parlera de lipotripsie, il dira oui, ça existe chez moi. On parlera d'IRM, il dira ça existe chez moi. De pacemaker, ça existe chez moi. Parce qu'aujourd'hui, les pacemakers sont posés au Gabon. Ce que nous souhaitons, c'est que nous, médecins gabonais, nous puissions nous approprier ces espaces pour acquérir l'expertise nécessaire, pour rentabiliser ces formations sanitaires, la joie, nous sommes en tant qu'enseignants, mais qui fait l'envie des médecins qui viennent nous rendre visite. Ils se disent, mais vous n'avez même plus la Mercedes, vous avez la Rolls-Royce. Effectivement, nous avons de très bons plateaux techniques. Maintenant, vous me direz à l'intérieur du pays. Eh bien, avant 2009, vous vous souviendrez qu'Omar Bongo avait, dans toutes les provinces, implanté des structures de référence. Le problème, c'est qu'il faut rajeunir, il faut donner un coup de fouet, mais surtout la disponibilité des praticiens, que nous, Gabonais, nous puissions avoir le courage d'aller à l'intérieur du pays pouvoir exercer. Parce que souvent, tout le monde veut rester à Libreville, alors que nous avons des plateaux techniques, nous avons des chaises dentaires, nous avons des unités de consultation d'ophtalmo à l'intérieur du pays qui ne servent pas grand-chose. Parce que nous avons du mal à y affecter des médecins. Est-ce que la solution pourrait passer par, une carte sanitaire qui sera redessinée? La médecine itinérante. C'est l'avenir, la médecine itinérante. Mettre à la disposition des provinces des médecins itinérants qui passeront de temps en temps en ophtalmologie, en ORL, lorsque certaines provinces n'ont pas. Ça veut dire que cette politique qui a été initiée par Ali Bongo Ondimba, alors qu'il était ministre de la Défense, celle justement de procéder à cette forme avec les manœuvres militaires. Les manœuvres militaires, c'est une bonne chose, mais aujourd'hui, j'ai le privilège d'avoir été nommé par le vice-premier ministre comme président d'une commission qui doit pouvoir réfléchir rapidement sur la bonne gouvernance de nos formations sanitaires. Il va falloir que nous puissions responsabiliser nos médecins. Aujourd'hui, les médecins fuient un peu l'hôpital à cause de rémunération. Il faut garder le médecin à l'hôpital. Pour garder le médecin à l'hôpital, il faut faire comme à l'hôpital militaire, lui donner la possibilité de faire le privé et le public au sein de l'hôpital. Parce que c'est toujours gênant que le médecin mette la main en dessous en disant « si vous ne me donnez pas, je ne vous soigne pas ». Ce n'est pas élégant. Et notre serment d'Hippocrate en souffre un peu. Il va falloir, lorsque vous allez voir le professeur Mbousseau au CHUL, que vous puissiez savoir que le lundi après-midi, le mardi matin, le vendredi après-midi, c'est son secteur privé. Mais que les autres jours, il est là à la disposition du secteur public. Au lieu qu'il fuit l'hôpital, il va rester à l'hôpital. Comme ça se fait à l'hôpital militaire, il y a le secteur privé, le secteur public. Il n'y a aucune raison qu'on ne puisse pas étendre ce modèle que le président Ali, à l'époque ministre de la Défense, a pu installer à l'hôpital militaire. Il n'y a aucune raison que ça ne puisse pas voir le jour au niveau de nos formations. Mais cette commission que je préside va pouvoir se pencher sur la notion de bonne gouvernance de manière à garder nos médecins dans les formations publiques en leur accordant de demi-journées de consultation privée pour éviter qu'ils fuient.
vital. Alors, il nous reste au moins 10 minutes avant de mettre un terme à cette émission. Donc, avant qu'on aborde les aspects liés au bilan de la mise en application de l'assurance maladie universelle et peut-être nous projeter dans l'avenir par rapport aux perspectives, il y a quand même sur le terrain un phénomène, et je sais que ça ne vous a pas échappé, certainement qu'on observe de la part de nos compatriotes, ce que de plus en plus de compatriotes sont lancés dans des commerces de proximité appelés CNAMGS. Ah oui, oui, bon. Qu'est-ce que ça vous fait ? Vous êtes content de savoir que non, pas du vous tout. Faites des émules ? Non, non, pas du tout, pas du tout, pas du tout. Je pense qu'il va falloir que nous rappelions à notre compatriote que c'est une marque, je ne dirais pas une marque déposée. La CNAMGS, dans les débits de boissons, ce n'est pas correct. Mais il loue le côté, il est lié à la... Oui, oui, indirectement, oui, ça nous fait de la publicité, ouais. Au faible coût. Ouais. Je pense que si les compatriotes mettent dans leurs débits des boissons CNAMGS, c'est parce que nous avons fait des émules en ce qui concerne, comme les sociétés aériennes à bas coût. Oui, c'est vrai, mais quand même, ça arrange un peu notre crédibilité en voyant les débits de boissons s'intituler CNAMGS. Nous allons saisir le ministre de l'Intérieur dans les prochains jours pour appeler nos compatriotes tranquillement à pouvoir enlever cette domination qui nous embête un peu. Alors, bon. Revenons donc sur le bilan, finalement, de l'assurance maladie universelle. C'est sept dernières années. Quel bilan peut-on faire de l'assurance maladie dans notre pays? Le Gabonais est mieux soigné, le médicament est plus disponible, les pharmacies par terre ont disparu, l'économie m'a fait peut être évacuée, ce qui ne se voyait pas avant 2007. Autrefois, les fonctionnaires n'avaient pas d'assurance. C'est vrai qu'on ne leur fonctionnait pas. Mais à quoi, lorsqu'un fonctionnaire, on lui prélève 10 000 francs, 15 000 francs, ce n'est même pas le coût d'une consultation dans le secteur privé. Mmh. Lorsque son évacuation sanitaire coûte 50 millions, que représente 15 000 francs par mois? C'est grâce à la solidarité, parce qu'il y a plusieurs qui cotisent, que nous pouvons permettre à un fonctionnaire d'être évacué. Aujourd'hui, il y a plus de 200 fonctionnaires qui sont évacués par an. Mmh. Et ça coûte plusieurs milliards. Et ce n'est pas sa petite cotisation en tant qu'individu qui aurait pu permettre cela. C'est grâce à la cotisation de tous ses pairs qu'on peut évacuer. Mais autrefois, quand le fonctionnaire devait être évacué, c'était parfois la croix et la bannière. Il fallait connaître un médecin à la commission, il fallait être connu, il fallait être le fils ou le parent d'un ministre. Aujourd'hui, c'est l'égalité des chances. Que vous soyez parents de ministre, quand votre dossier est déposé à la commission, on ne regarde pas votre rang social, on regarde votre pathologie. Et lorsque la pathologie ne nécessite pas une évacuation sanitaire, on vous le dit, on le dit aux médecins traitants que ça ne nécessite pas une évacuation sanitaire. Mais nous laissons aussi la possibilité aux médecins traitants de venir négocier le dossier de son patient. En disant, vous êtes peut-être trompé. Voici des arguments que j'enfonce en disant, si nous évacuons ce malade, il a une chance de survie. Je plaide pour ma chapelle, mais encore une fois, si d'autres viennent voir l'exemple du Gabon, c'est que forcément, c'est un bon exemple. Le Gabonais est mieux soigné, ça je peux le garantir parce que je suis moi-même médecin. Et si vous allez à la faculté de médecine, nous venons d'organiser à la faculté de médecine un séminaire sur la prescription. Parce qu'il ne faut pas qu'on tue cette assurance. Avant 2009, il y avait... Il y avait quelques examens coût élevé qui n'étaient pas aujourd'hui. Le scanner est prescrit à tour de bras. Alors nous avons voulu sensibiliser les médecins prescripteurs en disant faites attention. Si nous continuons à élever autant les coûts de santé, nous risquons de gâcher comme ça un instrument mis à la disposition des médecins pour mieux pratiquer la médecine. Donc nous avons essayé de normer un certain nombre de conduites à tenir pour éviter un gaspillage. Il y a trop de gaspillage, nous luttons contre ce gaspillage, mais c'est mieux de former, et ce que nous avons fait récemment à la faculté de médecine avec les futurs prescripteurs en leur disant faites attention, prescrire c'est bien, prescrire mieux. Et prescrire pour éviter un gaspillage, c'est encore mieux. Et notre rôle à nous, c'est tout justement de poursuivre cette sensibilité, cette sensibilisation pour éviter un dérapage des coûts de l'assurance maladie. Professeur, quelle perspective finalement pour cette assurance maladie dans notre pays? C'est prendre en charge tout le monde, c'est-à-dire ces compatriotes qui ont un commerce, qui viennent gonfler les économies moins faibles. La femme du marché a des revenus, quel taux peut-on lui appliquer? Le pêcheur a des revenus, quel taux peut-on lui appliquer? Le commerçant qui vend... Enfin, quel taux appliquer à ces personnes? Alors, je vais pouvoir dire que la BAD
accepté de nous accompagner en finançant comme ça une étude actuaire qui nous permettra de fixer le taux de cotisation de ces personnes qui ont des revenus pour pouvoir constituer le quatrième fonds. C'est ça. Est-ce que le président disait ne laisser personne sur le bas-côté? Donc pour nous, les perspectives, c'est de prendre bien sûr tous nos compatriotes. Mais dans la légalité, que ceux qui ont des revenus participent à cet effort de solidarité, même si c'est 500 francs par mois, même si c'est 1000 francs par mois, c'est une contribution. Nos femmes de ménage, c'est une contribution. Il faut qu'on arrive à faire en sorte que chaque citoyen qui a des revenus au-delà de 80 000 puisse contribuer à cette grande solidarité qui n'a jamais été aussi généreuse dans notre pays que depuis 2009. Professeur Moussou, merci d'avoir accepté l'invitation Téléafrica. Des idées et des actes. Recevez donc le professeur Michel Moussou en sa qualité de directeur général de la Caisse nationale d'assurance maladie et de garantie sociale. Merci de nous avoir regardé et bonne suite des programmes sur votre chaîne préférée.